Classé en catégorie 5, la plus dangereuse, l'ouragan Irma se rapproche des petites Antilles. Météo France a déclenché l'alerte rouge pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique. Écoles et administrations ont été fermées, les populations du littoral évacuées. Sur ces images, la Floride se prépare également au pire. Comme dans toutes les zones concernées, les habitants font des provisions de nourriture, d'eau et de piles en vue de probables coupures d'électricité. Irma est plus puissant que l'ouragan Harvey qui a récemment ravagé le Texas et la Louisiane, faisant plus de 40 morts. Mais avant de frapper la côte américaine, le cyclone devrait donc toucher dans les prochaines heures plusieurs îles du nord de l'Arcantillet et dans un second temps Porto Rico. Des vents à plus de 200 km/h sont attendus avec des rafales pouvant atteindre 280 km/h. Les habitants devront faire face à des précipitations diluviennes. En mer, des creux de 5 jusqu'à 10 mètres sont redoutés.